chez eux. Il faut les éviter, surtout pas les regarder, quoi. Surtout pas les continuer à les faire vivre. Ce sont des sangsues. Ça va la lanterne. Bonjour à tous. N'hésitez pas à tout instant. Vous pouvez passer quand vous le souhaitez, vous abonner sur là où vous êtes, mais aussi sur Telegram. Je suis défaitiste ou pessimiste? Ah mais j'ai beaucoup d'empathie, donc je suis assez triste. Mais pas pour moi. Pour la France et les Français. Mais pour ce qui me concerne, ça n'a rien à voir. Pour ce qui me concerne, je décide quand je décide. Et ça fonctionne toujours. Je fais toujours des choix, ça marche. Tiens, je choisis. Ah bah j'ai choisi. Ah bah c'est bien, j'ai choisi. Donc ça fonctionne toujours. À 100%, ça marche bien. Donc nous faisons tous des choix. Je fais aussi des choix. Et je vais continuer d'en faire. Bonjour l'Indien. La crypto est en chute libre. Non mais c'est pas la crypto qui est en chute. C'est... Oui, bah c'est très bien. Mais la crypto qui est en chute libre, ça a déjà été prédit depuis des mois et des années. Hein. Et pour ceux qui sont au courant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pas du tout. Alors, c'est vrai que les newbies ont peur. Diana, tu nous dis déjà défendre la vie des enfants, la vie des citoyens. Rox, ils veulent se battre pour la sécu et tout le monde va se casser en vacances. Non, ça c'est faux. À 2 euros le litre d'essence, des blaireaux. Ah non, tout le monde va pas s'en aller en vacances. Non. Salut Laurent. Bonjour Angelo. C'est à cette heure-là que vous venez, là? Mais merci de venir. Hein. Vous en faites pas, vous venez quand vous voulez. Ça me touche, donc je vous dis les choses. J'ai un blaireau, comme tu dis, un blaireau. Des antihistaminiques? Non. J'ai un blaireau, enfin un blaireau, un type qui m'a dit que j'avais pris le melon. Il faut que je vous le dise, hein. Je vais jamais changer, je changerai pas. J'ai toujours été comme ça. Et même quand j'ai commencé à faire mes directs, il y a 6 ans, je parlais comme ça. Donc j'ai pas changé. Mano, j'attends la retraite pour pouvoir continuer à travailler car je n'ai pas assez de trimestres. En fait, je vais sur 66 ans et depuis un an, nous n'avons plus de médecin traitant avec mon fils. Au moins, je mourrai malade. Dommage, j'ai signé mon premier CDI à 60 ans. Courage, Fillon. En Ardèche, c'est la dèche. Ah, t'as pas de médecin traitant? Ah bah, je sais pas ce que c'est qu'un médecin traitant, moi. Je connais pas les médecins. Donc. Nous ne sommes pas des voitures. On n'est pas obligé de faire la révision dans un garage, donc... Même si certains vous disent souvent, vous font souvent des comparaisons entre être humain et voiture. Oui, vous méritez la fessée, ouais. Salut Varoujean. Je voudrais rejoindre ma fille au Québec, mais l'entrée m'est interdite. Ah d'accord, car t'es pas machiné. Vous avez des personnes qui s'interrogent et qui se disent ah bah, c'est pas bien, t'es pas allé voter. Il y a 52% d'abstention. Mais quand vous pensez comme ça, vous faites le jeu des politiques, c'est quoi? C'est toujours cette idée d'aller écouter ce qu'on vous dit et... Alors, on est un peu tous comme ça, mais on l'est moins. Hein. On l'est un petit peu moins. Je pense qu'on a un gros ras-le-bol de tout ça. On mérite la fessée? Bah, c'est Varoujean qui le dit sur Facebook. C'est pas moi. Avant, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Maintenant, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a des idiots. Pourquoi voter des députés? Ils passent par des cabinets privés. Je vous ai parlé du bouquin qui s'appelle Les Infiltrés. Pour moi, le plus important, ce sont nos enfants. Ah non. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Là, il y a encore une mésentente, là. Il y a un malentendu. Vous marchez sur les pieds, là. Le plus important, c'est pas les enfants, mais je sais pas si vous avez... Bon, je sais pas si je suis équipé pour expliquer tout ça, mais bon... Non, le plus important, c'est vous-même. Si vous ne vous occupez pas de vous-même, vous pouvez pas vous occuper de vos enfants. Chaque génération qui s'occupe de l'autre ne s'occupe jamais d'elle-même, ne s'occupe donc jamais des autres. Le plus important, ce ne sont pas vos enfants. Le plus important, c'est vous. C'est quand même quelque chose de raconter autant de bêtises en quelques secondes. Le plus important, c'est vous. Incroyable. Genre, tu fais des gamins, t'occupes plus de toi,
Chaque personne qui fait des gamins s'occupe jamais de soi-même, plus personne ne s'occupe de soi-même. Il y a un gros problème, hein. Il y a un gros problème. Le plus important, c'est vous.